Tu trouves pas ça bizarre qu'il nous confie cette mission? Marlène voulait le faire elle-même. Ce n'était pas son premier choix. Ni même le deuxième. Elle a perdu beaucoup d'hommes. Elle a pris ce qu'il restait. Ouais, espérons qu'il reste quelqu'un pour nous payer. Il y aura forcément quelqu'un. Allez. Qui nous attend au point de rendez-vous? Elle a dit que des lucioles avaient fait le voyage depuis notre ville. La fille doit être importante. C'est quoi ton problème? T'es la fille d'une huile ou un truc dans le genre? Ouais, un truc comme ça. Ça va être encore long? Si tout se passe bien, on devrait te livrer à eux d'ici quelques heures. Ellie, une fois sortie, tu feras tout ce qu'on te dit, et tu resteras près de nous. Ouais, pas de problème. Monte vérifier que la voie est libre. Bougez pas, il y a une patrouille en approche. Ok, c'est bon, montez. Allez, petite. Fais attention. Cette pluie ne va pas nous aider. J'y crois pas. Je suis vraiment dehors. Par là-haut. N'essayez pas de vous enfuir. Avancez. Tournez-vous, à genoux. Calmez, j'appelle le QG. Ok. Les mains sur la tête. Ici Ramirez, dans le secteur 12. Demande un ramassage pour 3 vagabonds. Bien reçu. On peut s'arranger. On a largement de quoi vous payer. La ferme. Dans combien de temps? Quelques minutes. Désolée! Je pensais qu'on allait juste les retarder ou un truc du genre. Oh merde. Regarde. C'est pas vrai. Marlène nous a piégés. Pourquoi est-ce qu'on fait sortir une gamine infectée? Je suis pas infectée. Ah non? Et le scanner alors? Je peux vous expliquer. T'as intérêt à faire vite. Regardez! Je me fous de savoir comment t'as été infecté. Ça date d'il y a 3 semaines. Non, tout le monde se transforme en 2 jours, alors arrête de mentir. Ça fait 3 semaines, je vous jure. Pourquoi est-ce qu'elle vous tendrait un piège? Je la crois pas. Merde. Tess, cours. Cours! Debout. Allez, cours!
Je répète. Aidez-moi. Vite. Vas-y, cours. Allez, allez. Non. T'apprends pas d'aller. Restez derrière moi. Rien du tout ici. Vous êtes sûr qu'ils sont passés par là ? Attention, faut pas qu'ils nous voient. Allez, Ellie. Suis Joël. Quoi ? Ils sont trop nombreux. Ah!
Ouais, ça doit être ça. Éloigne pas. Au moins, on n'est pas sous la pluie. Ça donne quoi? Je crois qu'on peut passer par là. Escouade Charlie, au rapport. Merde, merde. Encore des soldats. Cible tout en suite. Arrêtez les recherches et présentez-vous au secteur 1. Je crois pas qu'ils nous aient vus. Merci. Tout à vos véhicules. Restez dans l'ombre. On est en sécurité? Non. Ils sont encore dans le coin. Reprends ton souffle quelques secondes. Joël, regarde s'il y a des trucs utiles ici. Compris, chef. Tess, en haut, dans ce conduit. On doit pouvoir passer par là. T'éloigne pas, Amy. Ok. Oh, 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 attendez, attendez. Ils sont partis. Bon. C'était quoi le plan? Imaginons qu'on t'ait livré aux Lucioles comme prévu. Et après? Marlène, elle a dit que... qu'ils avaient leur propre zone de quarantaine. Avec des docteurs qui travaillent sur un remède. Ouais, on a déjà entendu ça, hein, Tess. Et que... quoi qu'il me soit arrivé, c'est... la clé pour trouver un vaccin. Oh, je rêve. C'est ce qu'elle a dit. Oh, mais j'en doute pas. Hé, hey, je t'emmerde. J'ai jamais demandé ça. Moi non plus. Tess, tu peux me dire ce qu'on fout ici. Et si c'était vrai? J'arrive tôt. Mais pense-y. Joël, enfin, maintenant qu'on est là, autant en finir. Tu veux que je te rappelle ce qu'il y a dehors? J'ai compris. Par ici. En coupant par le centre-ville, on atteindra le Capitole à l'aube. J'espère. Ils ont largué un maximum de bombes pour des zones de quarantaine. Qu'est-ce que c'est que ça? Tess, t'entends ça? Ouais. Mais ça venait d'assez loin. On est en sécurité? Pour l'instant. Allez. Super haut. Bon, voilà le Capitole. Ouais, on va devoir faire le tour. C'est le centre-ville, ça? C'était. C'est plus qu'un vaste terrain vague. Par ici.
vois quelque chose, toi? Non. Continue. Contente-toi de rester avec elle. Hé, Tess! J'arrive. Il s'est fait massacrer. Ouais. Le corps est encore chaud. Ouais, peut-être bien. Traînons pas ici. Ils sont... aveugles. Si on veut. Ils sont des chauves-souris. Comme les chauves-souris. S'il y en a un qui claque, cache-toi. Sinon, ils te repèrent. Merde. On dirait que tout le bâtiment est sur le point de s'écrouler. Attention à la tête. Donne-moi un coup de main. Merci. Ça va? C'est rien. Allons chercher des vivres. C'était tendu. Tiens, remets-toi sur pied. C'est sympa. Regarde s'il y a un moyen de passer. La voie est libre. Allez, Ellie. Ok, à ton tour. Allez. Go!
sur l'échafaudage. Je crois que c'est bon. Ellie, tout va bien ? À part que je me suis pissée dessus, ça va. C'est parti. Juste une minute. Et voilà, mesdames. Ok. Allez. L'escalier est bloqué. On fait quoi? On remonte? Faut pas regarder en bas. T'es sérieuse?
Tirons-nous d'ici. Ok, Tess, go! Ok, tiens bon. Thank you.
quoi? Ça passe bien? Ouais. C'est bon, on peut y aller. On peut passer là. Attention. Je me disais, quand on aura récupéré les armes, on pourrait peut-être souffler un peu. Tu veux souffler un peu? Hé, hey, c'est toi qui parles tout le temps. Et toi, tu m'envoies toujours chier. Bon, pas cette fois. J'attends de le voir pour le croire. Joël, par ici. Regarde sa manche. Une luciole. Ouais. Ces types tombent comme des mouches, en ville comme à l'extérieur. Espérons qu'il reste quelqu'un au rendez-vous. Ok, Joël, passe devant. Je couvre nos arrières. Ellie, quoi qu'il arrive, tu restes sur ses talons. D'accord. Ça marche.
On a réussi! Tout le monde va bien? Ouais, allons-y. Vous vous débrouillez plutôt bien tous les deux. C'est de la chance. Et ça ne va pas durer. C'est par où, Tess? Le capital est dans cette direction. Comment on franchit ce canyon? Voyons ce qu'on peut trouver. Ils ont été infectés récemment. Ces soldats viennent de se transformer. Ça veut dire qu'il y en a d'autres dans les parages. On se tire. Thank you.
c'est parti. Grimpez là-dessus. Quoi? J'entends que dalle. On accélère. Oh merde. Ils arrivent. Je sais. T'as un truc sur ta chaussure. Dégueu. Bon, comment on sort de cet endroit? On va bien trouver. Marlène pense que t'es immunisée. Ok, voyons ce qu'on ouais. a. Ça, c'est ce qu'elle croit. Pour te faire mordre, tu devais être dans un endroit non autorisé pour tomber sur des infectés à l'intérieur de la zone. Ouais. J'avais fait le mur. J'étais dans un pensionnat militaire. T'avais fait le mur? Ouais, pour explorer la ville. J'étais dans le centre commercial quand j'ai croisé des infectés. L'accès à cet endroit est interdit. Comment tu y es entrée? Je me suis débrouillée. Bref, un de ceux que vous appelez coureur a fini par me mordre. Voilà, c'est tout. Je vois. T'étais avec Marlène pour que tu t'es mordre? Non. Je suis allée lui demander de l'aide après. Ça m'étonne que t'aies pas descendu sur place. Merde! Désolée, désolée, c'était moi. Tess? Désolée. Allez, reste avec moi. Oh merde! C'est quoi ça? Un ancien musée. Ok, attention à la tête. Vite, go, go, go!
Je suis en vie. Je vais essayer de vous rejoindre. Ils sont là. Tess. Go. Go. Tess. Tess, ça va, tu tiens le coup? Je suis juste un peu essoufflée.
Par ici. Ça nous mènera au toit. Et toi, petite, tout va bien? Qu'est-ce que t'entends par bien? Tu respires encore? Ça compte, les respirations paniquées? Ouais, ça compte. Ok. Alors, je vais bien. Faut trouver un moyen de traverser. C'est bon, c'est ce bâtiment. Ok. Fais bien attention en traversant, parce que tu pourrais... Alors, est-ce que c'est de ça que tu rêvais? Ça reste à voir, mais... La vue est magnifique. Allez, par là. Hé, traîne pas. On y est presque. Reste concentré. À vos ordres. Juste derrière. Allez! Ne t'arrête pas. Regarde ça! Il a le symbole des Lucioles sur le bras. Et si on arrive là-bas et qu'ils sont morts? Ils le seront pas. Mais comment tu le sais? Je le sais, c'est tout. Écoute, tout va bien se passer. Ok. Il le faut. On y est presque. On y est presque, Tess. Juste pour info, je sais pas. Bon, ça a l'air moins profond sur la droite. Suis-moi. Je suis contente que Marlène vous ait embauché. Comment ça? Je sais qu'elle vous pète pour ça. Ouais, pas de problème. On fait quoi maintenant? Qu'est-ce que tu fais, Tess? Oh merde! Peut-être qu'ils avaient une carte ou un truc pour nous dire où ils allaient. Jusqu'où ça va aller comme ça? Aussi loin qu'il le faudra! Où se trouvait leur labo? Elle m'a pas dit, elle a juste dit que c'était quelque part vers l'ouest. Qu'est-ce qu'on fout ici? C'est pas pour nous, tout ça. Qu'est-ce que tu sais de nous? De moi? Ce que je sais, c'est que tu es bien plus maligne que ça.
Vraiment? Écoute, on est des ordures, Joël, et ça fait trop longtemps que ça dure. Non, on est des survivants. C'est notre chance. C'est terminé, Tess. On a essayé. Alors maintenant, rentrons chez nous. Non, je n'irai nulle part. Pour moi, ça s'arrête là. Pourquoi? Il fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre. Mais enfin, qu'est-ce que... Non! Ne me touche pas. Oh merde. Elle est infectée. Joël. Fais-moi voir. Ça te fait pas... Fais-moi voir. Oh merde. Oh. C'est con, hein? Donne-moi ton bras. Ça fait 3 semaines. Je me suis fait mordre il y a à peine 1 heure et regarde, c'est déjà pire. C'est pas des conneries, Joël. Tu dois emmener cette fille chez Tommy. Il traînait avec ces types. Il saura où elle est. Non. Ça, c'était ton idée. Je ne veux pas faire ça. Si, tu dois. Écoute. Après tout ce qu'on a traversé ensemble, tu peux bien faire ça pour moi. Alors tu vas l'emmener chez Tommy. Merde. Ils arrivent. Putain. Je peux les retarder, mais vous devez faire vite. Quoi? Alors, tu veux qu'on te laisse ici? Oui. Tess, il est hors de question que... J'ai aucune envie de finir comme ces monstres. Je t'en prie. Ne rends pas ça plus difficile. Je peux me battre. Vas-y, pars! Allez, fous le camp. Ellie. Je suis désolée. Je voulais pas que ça arrive. On y va, dépêche-toi. Pensez que vous êtes là. Lâchez vos armes et sortez avec les mains en l'air. Merde! J'arrive pas à croire qu'on ait fait ça. Tais-toi. Elle va se faire tuer là-bas. Tais-toi. Reste derrière moi, on doit y aller. Elle a descendu deux de mes hommes. Merci. Vous, ouvrez la porte. Vous. Oh non. Bien fait. Tess. Ils vont pas tarder. C'est bon. Ouvrez bien l'œil. On doit y aller. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Joël ! Je m'en occupe. Fouillons le couloir. Toi, va voir là-bas.
un seul faux mouvement. T'éloigne pas, allez. Comment on va sortir? Ok. On va traverser cette salle. Reste baissé. Je sais pas combien ils sont. Thank you.
l'escalier là-bas. Baisse-toi. Comment t'arrives à respirer avec ce truc? Tu vois, je te mentais pas. Tu les as vus? Non, y a rien ici. J'ai rien vu du tout. Je prends par ici. Regarde par là. Soldats à terre! On va trouver une solution. Allez! On peut essayer ça. Tu vas pas me laisser ici, hein? Allez. Okay.
C'est bon. Tirons-nous d'ici. Écoute, à propos de Tess, je sais même pas. Je vais t'expliquer comment ça marche. Tu ne me parles pas de Tess. Jamais. En fait, on va tous les deux éviter de parler de notre passé. Et deuxièmement, ne parle à personne de ton état. Ils penseraient que tu es folle et voudraient te tuer. Et enfin, tu fais ce que je te dis quand je te le dis. C'est compris ? Ouais. Répète-le. Je suis tes ordres. Bien. Il y a une ville à quelques kilomètres au nord avec un type qui a une dette envers moi. Il pourra sûrement nous trouver une voiture. Ok. Ne traînons pas ici. Regarde ça. Ouais, on ira plus vite en passant par là. Waouh. Quoi? Rien, c'est juste que... j'ai encore jamais vu un truc pareil, c'est tout. Quoi, la forêt? Ouais. J'ai jamais marché en forêt. C'est plutôt cool.